Assalamu alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon jardin, les amis, une partie qui n'est pas entretenue. Donc, du coup, je cueille quelques roses pour aller chez ma belle-sœur pour faire notre suite d'un dîner presque parfait. Mais qu'est-ce qui nous a pris de nous engager là-dedans? On est obligé de continuer et j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Voilà mes petites roses, je ne sais pas c'est quoi comme variété, c'est moi qui les avais plantées il y a très longtemps. Elles serviront une fois au moins. Voilà. Et voilà mes jolies roses, elles sont belles quand même. Bon, si j'avais su que j'avais ramené une limace avec moi, ça m'aurait évité d'avoir peur. Et du coup, c'est son thème fleuri, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est un jour férié, je lui ramène des fleurs, des pétales, et elle verra ce qu'elle va faire avec. Allez, et comme je suis une tata trop gentille, et que c'est mon domaine, je fais des ballons pour les petites. Voilà, tant qu'à faire au moins. Ça les occupera à attraper leurs ballons qui vont s'accrocher au plafond. Je vais leur mettre un peu du rose, un peu du rose clair, du bleu et du doré. Je te l'attache là, ma petite Kiki. Regarde, il est que pour toi. Comme un bébé. Eh oui les amis, mais c'est ma fifi elle aussi. Allez, je me dépêche de me préparer, thème fleuri. Je ne trouve pas grand chose. Je vais mettre ce kimono et cet ensemble. Les amis, je vous montre. Là, c'est mon tiroir à hijab. Regardez comment il est bien rangé. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le fasse. Surtout que j'en ai mis plein des nouveaux là que j'avais acheté en Turquie. Plein, plein, plein de nouveaux, mais que j'ai jeté comme ça. Mais maintenant, il faut que je trouve un qui va avec ou ce beige, ou ce beige, ou ce marron. Oh, ou... Pas du noir, non, le noir ça va pas le faire. Quelque chose qui fait quoi. Là j'ai cette couleur brique là, mais c'est pas du tout pareil. Non, franchement ça fait pas pareil. Qu'est-ce que j'ai? Sinon je mets du blanc cassé. Vous en pensez quoi? C'est pas, je sais pas. J'aurais aimé avoir. Ah j'en ai là du blanc cassé. Ah mais c'est pas le même. C'est notre matière encore. Sinon, j'en ai un là, en mousseline. Soit des médines, celui-là, je crois. La galère. En fait, j'ai pas de hijab à sortir ça. Hein. J'aurais dû... Non, mais j'en avais acheté un beige. Il est où? J'en avais acheté un satiné, mais je crois pas que ça va le faire. Ah, il est là, il est trop beau. En fait, ça se voit pas comme ça, mais en vrai, il est satiné. Ah, c'est plus ce côté. Mais ça le fait pas parce que de toute façon c'est un beige foncé. Ouais, je sais pas, en fait, je sais pas. Voilà les amis, j'ai trouvé un blanc cassé, ça fait l'affaire. Avec cet ensemble et kimono fleuri, je suis dans le thème, je pense. Un ensemble beige en dessous, tout est vendu ensemble chez Modanissage, donc je l'avais pris en Turquie. Je sais pas sur leur site s'il y est, mais en tout cas, voilà, c'est chez Modanissage. Et voilà, ça fait très bien l'affaire, décontracté, basket, je suis bien. Dans tout ce que tu faisais sur tes roses. Coucou! Allez, du coup, elle a rajouté quelques pétales et je vous montre sa magnifique déco printanière fleurie, très très jolie. La déco dans le thème, bien fleurie, je valide. Allez, on fait notre petite entrée chacune, petit défilé quoi. Et ce petit coucou est pour vous.
Allez, nous avons Elia Homme qui fait son entrée bien fleurie. Je valide. Et nous avons Mimi, Myriam, tout le temps souriante. Mashallah, vous ne la voyez pas. Avec sa petite thème robe fleurie aussi. C'est parfait. On est bon. Bon, il nous en manque une. J'ai pas compris pourquoi elle n'a pas été filmée. Et Mina, tu étais où à ce moment-là? On est prêt. Allez. Prêt. Bismillah, c'est parti. Donc nous allons apprécier ce petit cocktail fleuri. Bon, c'était bien, c'était calme, on discutait entre nous, on rigolait. Voilà, c'était très calme, hein, on va dire. Pas comme d'habitude, mais on était bien. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a la cuisine juste en face, cuisine ouverte. Donc elle discutait en même temps, elle cuisinait, enfin, elle ramenait ses plats. On n'était pas loin, donc ça c'est vraiment bien. Showing hatred to people, there is no much time for payday. If you don't teach what you learned about then, if you're so stingy with your not. Allez, bismillah, on commence avec une bonne salade, deux briques samoussa. Alors en fait, c'est façon pastella au poulet. En fait, vraiment le goût de la pastella au poulet, ben là, ça faisait comme si c'était samoussa au poulet individuel, quoi. Vraiment, le goût, il était... Elle a mis les noix, les amandes, fait les amandes, il y avait tout. Franchement, c'était trop bon, avec le sucre glace dessus. Merci. Allez, et pour la suite, regardez comment c'est magnifique. Donc, c'était de la purée, des Saint-Jacques, du chorizo, des poireaux, je ne sais plus quoi d'autre. Et c'était vraiment joli, ça faisait comme des petites fleurs. Franchement, c'était léger. Ça change de la viande, c'est ce que je disais. Et ben, franchement, c'était très bon. Je vais dire que c'était simple et efficace. Vraiment... original aussi. Avec la rose de mon jardin aussi, pourquoi pas. Allez, et en dessert, elle a voulu faire un pavlova, donc, mais elle a tout mis en verrine. À la fraise, il y avait des meringues. Alors, c'est original, j'aime bien. Franchement, c'est trop bon que les meringues. Qu'est-ce qu'il y avait? De la crème, de la chantilly. Franchement, c'était très bon. Je vais lui demander ce qu'elle avait, elle avait mis dedans, parce que... délicieux, en tout cas. Je crois qu'il y avait même un genre de coulis caramel, je sais plus. En tout cas, c'était très, très bon. Allez, après avoir fini ce délicieux dessert, c'est parti pour aller noter tout ça. Oh non, pas elle. Elle, rien qu'elle nous achève. Allez, c'est parti. Écoutez ça. Pour la décoration, ce sera la note de 9. Le thème fleuri était bien présent. Moi, j'aime c'était girly quand même. Tout en instant, campagne, champêtre. Je ne sais pas comment on peut dire, mais j'ai aimé. Ça lui ressemble bien. Ensuite, pour la note, on a dit de l'ambiance. Alors l'ambiance, on est obligé de... Bon, on est toujours en bonne compagnie et tout, mais toujours, toujours le même point faible. Les gosses, toujours un 7. Encore plus de gosses. Il y a des gosses là ce soir. Il y a une multiplication de gosses. Je suis obligée de mettre un 7. Et pour le repas, je suis obligée. Franchement, il n'y a pas de et demi, sinon j'aurais mis... compliqué. Mais bon, je mettrai un 9. Certes, c'est mon ami d'enfance, mais le repas était très bon. Le seul point fait pour moi était le chorizo, mais j'aurais pas fait mieux. Parce que franchement, je sais pas comment ça se cuit. Non, c'est pas ce qu'on aurait mis même. Mais c'était excellent, l'entrée, les petites pastilles excellentes, les Saint-Jacques, la purée et le dessert bien frais, excellent, pour finir sur une bonne touche, rien à dire. Allez, passons aux notes. Ah non, là, ça va pas. Allez, passons aux notes. Donc, on va commencer par la déco. On va les foutre dehors. On va fouler dehors, sinon ils vont pas te laisser. Ah, oh, écoute-moi, Rita. Chut, Rita. Chut. On ne parle pas, le roi du silence. Le roi du silence commence. C'est... Allez, passons aux notes. Donc, on va commencer par la déco. Donc, le thème, c'était fleuri. Pour un jour férié, franchement, c'est gagné. Vraiment, la déco pour un jour férié, elle a fait fort parce que je sais qu'elle aurait voulu plein d'autres choses et je la connais. Donc, pour la déco, direct, je vais mettre un 10. Parce que je la connais, je sais, elle aurait fait mieux. Et là, pour un jour férié, franchement, j'aurais pas fait mieux. Donc, 10 pour la déco. Ensuite, on avait on a l'ambiance. C'est le groupe des faux folles, voilà. Mais je vais descendre quand même la note. De 9.
Parce que je sais pas, je trouve qu'on est, on est trop gentil aujourd'hui, c'est trop calme. Nous on est fofolle, mais pas à ce point. Je sais pas. On a un petit, tout un petit grain de folie, mais là aujourd'hui ça y était pas. Donc voilà, et puis pour le menu, avant de vous dire un autre, je vais un petit peu commenter le menu. Donc la salade, elle m'a trop fait plaisir, moi les briques, voilà c'est pour moi. Ensuite, on avait cette petite purée, comment ça s'appelait déjà? Comment ça s'appelait la purée, le plat là? Ça porte un nom, elle avait dit. Avec fondu de poivre. Ah oui, mais je me rappelle plus. Saint-Jacques. Non, je sais plus c'était quoi. Bon, en tout cas, le plat chaud, il y avait du Saint-Jacques, il y avait... poireau. Franchement, c'est de la purée toute douce. C'était trop bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Trop bon. Juste le chorizo un petit peu... peut-être un peu trop grillé. J'ai du mal à le mâcher, moi, le chorizo, de toute façon. Et en dessert, la verrine, trop bonne, avec ses petites meringues, ses bouts de meringue et tout. Trop, trop bon. Donc, pour le menu, je vais mettre une note pour le menu. Je l'ai perdu. Ça arrive. Elle est là. Moi, le menu, il était aussi bon que beau. Un 10. Ouais, un 10. Très, très bien, Jessime. Donc, voilà, franchement, ça mérite parce qu'elle s'est appliquée pour, ben, la mise en place. Et comme je vous ai dit, c'est un jour férié et elle nous a un petit peu montré en vidéo ce qu'elle voulait et tout. Et les magasins, ils étaient fermés. Donc, je sais qu'elle aurait voulu mettre la petite touche de fleurs et tout comme elle voulait. Donc, voilà. Donc, dès qu'on est rentré, donc pétales de rose, tout le thème floral, tout était parfait, la vérité. Donc, moi, je lui attribue un 10. Voilà. Pour la déco. Ensuite, pour le plat, franchement, c'était fade. Voilà, c'était là, c'est pas trop mon truc. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Le gratin, c'est bon, t'es à l'hôpital ou quoi? Non, vas-y. Non, t'as pas une merci. Je peux pas, donc franchement j'hésite à lui mettre deux notes, mais vraiment deux notes. Donc voilà, le dessert il était raté, on va pas se mentir, la pavlova, voilà, c'était raté. Donc du coup je vais être vilaine, mais très vilaine, bon c'est pas grave, je me retiens. Que la meilleure gagne, voilà, un beau petit neuf. T'avais pas ou quoi? Voilà, ensuite, pour l'ambiance, eh ben, la vérité, on va pas se mentir. Quand on est toutes réunies et tout, la vérité, c'est trop hala. Il faut que je mette un 5. Non, je rigole. C'est vrai ou pas? Tu fous. What an émission. Non, que nous, toutes nous réunies, tout comme ça, qu'on rigole et tout, non. La vérité, un 10. Ok. Voilà, un 10. Voilà. J'aurais trop aimé mettre le 5 pour de vrai, mais... Voilà, il faut être juste. Voilà. Petite pause déco, regardez comme c'est trop beau. Mashallah. Voilà, les petits, ils ont joué. Ils en ont foutu de partout, mais c'est trop trop beau le lit de la petite. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'on s'assoit dessus pour parler, pour voter. Et c'est trop trop beau. Bon, on attend Lalamina. Je sais pas où est-ce qu'elle est encore. Mashallah. Elle arrive. Pour la déco, je vais mettre la note de 10. C'était vraiment joli. Son thème était respecté et super beau. Ensuite, pour l'ambiance, on est des folles, hein, comme d'habitude. Mais c'était calme aujourd'hui. Mais c'était c'est ce que calme, j'ai dit. J'ai dit, voilà. C'était trop calme aujourd'hui. Je vais mettre aussi la note de 10 parce que c'était. Mais ça t'a fait du bien, toi. Apaisant, oui. C'était apaisant pour mes oreilles, même si j'entends pas bien. Et pour le menu, franchement, c'était super bon, j'ai rien à dire. C'était vraiment excellent, de l'entrée au dessert, vraiment. Donc, je vais mettre quoi? Un roulement de tambour, à votre avis. Non, c'était très très bon. C'était très beau. C'était excellent. Moi, je vais mettre la note de ça à la fin à 100 fois. Ah, ça va. C'était très bon, voilà. Bon, voilà les amis, sans plus tarder, la soirée s'est terminée. C'était bien sympathique, on a bien mangé. Et la prochaine fois, ça va être mon tour. Comment vous dire? Aïe, 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 ça va morfler. Donc, c'est samedi, Inch'Allah, le temps de faire le montage. Je reviens vers vous. Allez, bye bye. Prenez soin de vous, à bientôt.